Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Kate Middleton et le prince William. Ça fait depuis que je n'ai pas fait d'actualité sur le couple sur cette chaîne. Et il y a une petite nouvelle qui vient de tomber sur le couple. Le prince William et Kate Middleton devaient participer à une soirée en l'honneur des services de santé anglais. C'est la NHS. C'est pour les remercier pour leur dévouement lors de la pandémie et pour d'avoir donné un service exceptionnel durant cette pandémie-là auprès du public anglais. Donc, tout était programmé, le couple était censé venir ce soir. Or, il se trouve qu'une annonce qui a été faite il y a quelques heures déjà. Donc, premièrement, si vous vous souvenez, je n'en avais pas parlé sur cette chaîne-ci, mais Kate Middleton avait assisté, je crois, hier à un match de tennis. Un match de tennis qui avait lieu à Wimbledon. Il y avait d'ailleurs des photos d'elle dans le parloir royal avec des personnes, aussi dans le public avec d'autres personnes qui avaient circulé. Donc à l'époque, on voit bien sur les photos qu'il n'y a aucun port de masque, qu'il n'y a pas vraiment de précaution contre le corona. Apparemment, le corona semble avoir disparu en Angleterre. Il n'y a plus d'obligation de porter le masque en Angleterre, en tout cas en public. Du coup, elle a assisté tranquillement au match de tennis. Et qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? On apprend en fait que parmi les invités qui étaient avec elle en train de regarder le match, il y avait une personne qui était testée positive au corona. Donc ce qui fait que, comme elle est en contact avec lui, elle doit s'isoler dans son palace de Kensington, afin de ne pas éventuellement contaminer les autres si elle s'avérait être positive aussi. Donc ce qui fait qu'elle n'assistera pas à la petite cérémonie de ce soir. On a d'ailleurs vu le prince William tout seul à la pré-cérémonie. Et elle ne sera pas présente pour celle de ce soir. Si les fans espéraient voir de nouvelles photos, malheureusement, vous serez déçus ou il n'y en aura pas. Ce qui me semble quand même étrange, c'est qu'on lui a demandé de s'isoler dans sa maison avec ses enfants et son mari. Donc on se demande alors pourquoi l'isolation dans une même maison si elle pourrait être elle-même porteuse de quelque chose. C'est assez étrange. On se demande aussi pourquoi le prince William, qui bien sûr a passé la soirée avec elle, alors qu'on ne savait pas encore qu'il y avait quelqu'un qui avait été contaminé, est amené à être en public malgré l'annonce. Bon, ça, ce sont des incompréhensions dues sûrement à, je sais pas, un manque de communication ou alors à des incompréhensions du système. De toute façon, on espère que tout ira bien pour elle. On peut ne pas l'aimer, mais on ne peut pas lui souhaiter le pire. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.